Salut à tous et à toutes. Je vais vous faire un truc qui s'appelle pas. Normalement, les techniques sont bons. Mettre un peu plus fort, mais il me semble que la dernière fois c'était trop faible. Ou alors c'était bon, je sais plus. Au pire, le son n'était pas fort, mais bon, c'est pas très grave en soi. Ouais, mais il me semble que. Bon, on va mettre le son pas trop fort, parce que voilà, il sera peut-être trop faible, mais il faudra que je vérifie au montage. Donc on va quand même faire ça. Donc on va baisser le volume pour être sûr que ce soit pas trop fort. Il faudra que je verrai ouais, par la suite si c'est trop fort, trop fort quoi. Et je m'en occuperai au fur et à mesure à ce moment-là. C'est un petit jeu sympa que j'ai trouvé sur le store. Enfin, je l'avais déjà sur ma tablette 3, mais ici, j'y joue sur un autre appareil. Et du coup, c'est pratique, justement, parce que là, au moins, je suis sûr et certain d'être à 60 FPS. Donc, c'est déjà une bonne chose en soi. Et du coup, bah, vous devez vous battre. Hein. Voilà. Ah, c'est déjà fait. Oui, il y a un peu le principe, hein. Il faut faire des quêtes, il faut monter de niveau. Ici, par exemple, dès que je suis au niveau 30, je pourrais tout simplement aller faire la suite de l'histoire, si j'ai compris. Un ou. Parce que l'autre quête, celle qui est au centre où j'ai fait l'échec, je me fais one shotter à chaque fois, je dois protéger un personnage. En bref, c'est le truc le plus chiant qu'il peut avoir. Vous devez escorter un personnage qui et c'est moi qui me fais one shotter parce que je suis pas assez fort contre les monstres. Donc du coup, j'ai décidé d'attendre pour celui-là. Ah ok. C'est en automatique, comme vous voyez, c'est plus fun, c'est plus sympa. Ce qui est pratique, le fait que je fasse un enregistrement comme ça, quoi qu'il arrive, si ça coupe, le son va se remettre normalement, donc je saurai si ça coupe ou pas. Et ça, c'est pratique aussi. Tu attends quoi? À chaque fois, je me pose la question s'il attend vraiment ou est-ce qu'il va se battre. Peignas, vous foutez rien et vous laissez tout en automatique, ça se fait tout seul. Pas besoin de faire quoi que ce soit, tout se fait tout seul. C'est trop cool. Oula, il est géant lui. Vous voyez là le mien, câlin, voilà, un gros ronron,
et un petit. Et on peut se retrouver avec ça. C'est mignon. Tout mes amis. Je suis tout choqué. Excellent. Ce jeu, je le conseille vraiment si vous cherchez un RPG sur mobile. Il va arriver sur PC en plus. J'ai oublié son nom. Je le mettrai dans la description. C'est pas important. Dans le sens que je vais mettre le titre. De toute façon, ce sera le titre du truc. Peu importe, en bref 230 avant de récupérer de retour la transformation du personnage. Après je sais pas trop s'il y en a d'autres, peut-être qu'il y a d'autres transformations, j'ai pas joué encore assez pour ça. Je m'y mets, pas la preuve, hein, je vous fais une vidéo, c'est la preuve vidéo. Mais enfin mais voilà quoi, en bref j'y joue quand j'ai le temps. J'ai prévu de après la vidéo continuer à bien farmer pour arriver à prendre une fois un jeu me plaît. Ce jeu me plaisait déjà depuis le début, hein, j'avais déjà fait la demande quand le jeu devait sortir, je devais être prévenu qu'il sorte quand il sort. Et du coup j'avais installé sur ma tablette, mais le problème c'est que des espaces retirer le jeu, et oui, ça c'est la vie quand vous n'avez pas beaucoup d'espace, et eh ben vous n'avez pas le choix, vous devez retirer des jeux. Donc du coup je me suis dit, ben comme j'ai un smartphone qui est assez puissant pour faire tourner même plus et qui est fort, enfin qui est très puissant, je dirais pas le nom de la marque, mais en bref c'est un smartphone qui est très puissant et qui permet, du coup c'est même pas un smartphone du coup, mais bon soit, on s'en fout. C'est un iPhone quoi. Du coup, je me dis, mais c'est pas con, autant utiliser cet appareil là pour faire ce RPG, surtout que l'écran Retina est trop bien. Donc ça, c'est bon. Faisons des choses faciles. De toute façon, ça cache pas. Hein. Quand on voit ça, il n'y a que sur Apple que ça existe. Mais regardez cet écran. Ah, maintenant vous savez pas voir. Vous avez vu, le jeu il est beau, hein. C'est un très beau jeu en tout cas, moi je trouve personnellement. Très beau jeu. Et ce qui est bien avec l'iPhone et un autre appareil qui serait. C'est que c'est du 16/9 et pas du 4/3. Donc du coup ça prend tout l'écran. Ce qui est une bonne chose aussi. Ce jeu est vraiment magnifique en tout cas. Admirez les décors. Bon après vous allez me dire, ouais mais il y a beaucoup de trucs quand même. Ouais, je sais pas comment retirer ces bazars. Il y a beaucoup, en effet, que si vous me disiez ça, il y a beaucoup de bazars à l'écran et je suis tout à fait d'accord avec vous. Des fois il y a des trucs qu'on peut fermer. Je vais essayer de fermer le plus de choses possible. Tiens. Ah voilà. Ah oui, voilà. C'est déjà mieux je pense. Hein. En termes de visuel, c'est déjà un peu mieux. Bon, j'ai plus accès aux quêtes, mais c'est pas grave. Là, hop, royaume. Et on continue. Et voilà, du coup, vous avez déjà un peu plus. On peut pas tout cacher là, parce que là c'est déjà caché techniquement, vous voyez, donc je peux pas mettre plus bas, j'aurais bien voulu, mais on sait pas.
Enfin voilà. Oups, c'est une connerie. Ah, que. Stylés les mobs hein. Apparemment le jeu va sortir sur PC, donc si au cas où ce jeu vous intéresse mais vous voulez pas y jouer sur PC, en mobile en bref, parce que après si vous voulez non, ben il faut attendre qu'il sorte, je sais plus quand il va sortir, mais en tout cas il va bientôt sortir sur PC. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle, je pense que c'est vraiment un bon jeu, c'est comme avec Red Shadow, c'est pas mon style de jeu, mais voilà, ce jeu-ci aussi va sortir sur PC, et sincèrement, vu les graphismes, vu le jeu que c'est mérité. Enfin, ce serait super, quoi. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont y jouer, parce que le jeu est tellement beau, que ce serait pas con de le faire sortir, tout simplement, j'allais dire sur Switch. Ah oh, ben, je veux bien qu'il sorte sur Switch, MDR. Sur PC, ça m'étonnerait qu'il sorte sur Switch ou sur console. Hein, parce que... Enfin, c'est vrai que c'est dommage qu'il le ferait pas parce que ça ferait encore une autre d'autres communautés, quoi. Mais bon, ça il faut pas rêver. Je pense que c'est pas possible. De pas faire one shoté parce que c'est bien con. Et je dois faire attention aussi de pas faire une trop longue vidéo parce que en vrai c'est comme l'appareil que j'ai pris le plus faible, c'est compliqué, c'est en bref, j'ai pas beaucoup d'espace, j'ai que 10 gigas d'espace en libre en bref pour être rapide à dire il est beau, et du coup je peux pas faire des vidéos ultra énormes qui dépasseraient 10 gigas quoi en bref. Donc voilà. Parce que c'est du 720 60 fps, donc c'est quand même assez quali. Et je dois faire attention. Ici j'ai fait quelques quêtes pour bien vous montrer à quoi ressemble le jeu. Mais je pense que là c'est bon, vous avez vu un peu à quoi ressemble ce petit jeu sympatoche. Vous avez peut-être compris un peu l'univers. Enfin, je vous ai pas montré le début parce que je m'en bats un peu les caca chouettes, mais parce que j'ai déjà vu le début, mais c'est l'intro et ça me saoule, donc j'ai pas envie de recommencer tout ça. Mais j'avais déjà, il me semble, fait une vidéo où je montrais l'intro, il me semble, mais j'aime pas en fait, moi, parce que je les trouve moches, les personnages, techniquement, personnellement. Enfin, dans les intros, en tout cas, ça fait trop manga, enfin, je sais pas, ça fait trop Shino, enfin, je sais pas expliquer, en fait. C'est pas que ça soit Shinobi, mais ça fait trop 3D, voilà, je peux pas l'expliquer, j'ai pas le nom, mais je sais pas, j'aime pas. J'aime pas l'idée de 3D utilisée, ça fait... Disons qu'ils parlent pas forcément tout le temps, du coup, leur bouche ne bouge pas, et ça fait un peu qualité leader price, comme on dit MDR. Donc, voilà, c'est pas ouf. Donc comme vous voyez, bah, le jeu c'est ça quoi, il est magnifique, il est beau. Avant de terminer, je vous fais visiter le jeu pour que vous voyez un peu à quoi ressemble le jeu visuellement. Comme vous voyez, c'est très très beau, je sais pas qu'est-ce qu'il y a là, non, c'est un mur invisible, c'est un faux décor. Voilà, vous voyez un peu tout simplement à quoi ça ressemble. Regardez comme il est beau. Regardez comme c'est beau. Non, c'est ça. Et les musiques sont bien aussi, me semble. En tout cas, je les aime bien, ça va. Ils sont cool. C'est beau. Je trouve que c'est beau visuellement et c'est bien coloré. C'est vraiment génial comme jeu et très chouette. Et en plus, plus tard, si vous avez un peu de thunas à leur donner ou quoi. Bah, vous pouvez acheter éventuellement des mobs sur les shops. On va vérifier ça d'ailleurs sur les shops, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'ils vendent, pour un peu voir qu'est-ce qu'il y a et pour faire un peu le tour du jeu. Mais en principe, déjà, ce que j'ai montré, ça peut déjà être intéressant pour les gens qui cherchent un jeu tout mignon et qui est ultra beau.
Surtout que j'ai mis les graphismes au masque maximum, donc normalement ça veut dire que vous avez vraiment le maximum que vous pouvez avoir au niveau qualité des graphismes ici. Alors ici je cherche en fait après, bah après rien du tout. Voilà, bah parfait, regardez. Vous voyez un cheetah. Trop, je voudrais trop l'avoir comme. Là vous avez un beau flocon. Je sais pas, il y en a un qui s'est mis sur le flocon, mais il est sympa aussi sur le flocon. Enfin voilà, vous voyez, vous avez tout simplement beaucoup de bêtes et tout ça. Et c'est vraiment très sympatoche. Donc alors, ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va aller voir dans le marché. Je crois que c'est là. Ouais, apparemment, ça a l'air d'être là. D'accord. Alors, limité, spirale, donc vous voyez un peu tout ce qu'il y a, vous mettez pot s'il le faut, abri mouvement, étalon, casse-moi, chouette. D'accord. Je sais pas, mais c'est pas trop ce marché-là qui me semble que je cherche, en fait, c'est plutôt l'autre. Non, pas trop. Safety stock. J'en ai besoin, mais il m'est utile. Hein, mais bon. Enfin, moi j'aime bien ce truc, mais après, je sais que beaucoup de gens disent que c'est chiant et vous désactivez, vous faites pas chier. Non. Je sais pas. C'est vraiment ça la boutique? J'ai des doutes quand même. Je pense pas. Hein. Il y a un truc qui cloche quand même. Ah mais non, attends. Ah voilà. Ben non. Avantage. Récupérer. Je sais pas qu'est-ce que j'ai accepté, mais bon, c'est pas grave. Virus. Oula. Dis donc, j'avais pas accepté beaucoup de choses. Pardon. Remplacer quoi? Bah oui, mais moi j'aime bien mon peu. Ouais, remplace par ce truc moche. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il est moche ce bazar? Merde, du coup ça m'a fait quitter, bravo. On était dans l'avantage, c'est ça. Ouais. C'est un des trucs. Waouh, j'avais oublié de collecter tout ça en fait. Ouais, putain. Waouh. Bon, ça, la technique, c'est simple. Vous faites ça. Le truc ne sait pas savoir, donc voilà. Et ça marche. Bon, techniquement, moi, je l'ai déjà aimé, donc... Ah, feu que. Je joue déjà sur. Ah, bah voilà, récupérer. Non! J'ai fait une connerie! Non! Bah oui, mais je voulais pas, j'ai appuyé trop vite. Arnaque! C'est moi qui ai appuyé trop vite, mais bon. Un gosse de 10 ans, il pourrait se faire arnaque.com. Hein. Bah voilà, bah écoute, j'ai rien à dire hein, à part ça, je suis une gourmet à 25 kilos, hein, c'est le niveau du pauvre. C'est quoi ce truc? Utiliser. Ah, j'en ai 3 maintenant. Par contre, j'en ai aucune idée comment on les... Apprendre quoi? D'accord, mais... Je suis d'accord, ok, je les ai, mais je sais même pas du tout comment on les récupère.
C'est encore une autre histoire, ça. Hein. Ah oui, c'est ici, mais en fait, tu dois être au niveau 65 pour pouvoir. Ou 35, 65 pour pouvoir avoir plus d'équipes. Ok, donc je dois attendre de. Ah bah, je farmerai sur le côté pour avoir plus d'équipes. Wow, après, si j'ai déjà deux toutruffes, donc ça va, c'est déjà pas mal. Un ronron et une toutruffe, c'est aussi bien, c'est très bien. Ah bah voilà, on te voit mieux, toi. Hein? Tu fais, toi. Ah bah voilà. Ah bah. Ok. Bon ben apparemment je ne vois pas trop où c'est le truc pour le marché, donc on va en finir là. En tout cas il me semble qu'il y a moyen quoi qu'il arrive d'acheter des, comme tous les endroits, hein. Il y a peut-être un endroit où il faut aller pour acheter des mobs à mon avis, ou ça se décroche tout seul avec au moment où vous levez le P. Comme tout RPG qui se respecte. Donc je vous dis à bientôt, c'était Desna, et ben portez-vous bien, écoutez.